GPS Komu, Go, le retour du PDCI-RDA au RHGP. C'est pour bientôt. Et alors? Ah, le grand retour annoncé, tambour battant, de certains exilés politiques qui se targuent d'être les champions de la vérité. Et le GPS aurait-il enfin compris ce que tous les Ivoiriens, ou bien la majeure partie des Ivoiriens, avaient déjà compris depuis des années? Ou alors, c'est l'absence prolongée du petit gros sur la scène politique qui commence à peser lourd sur les nerfs de ses fidèles. Parce que soyons honnêtes, s'il fallait découvrir aujourd'hui les véritables intentions de M. Ouattara, c'est qu'on dormait profondément depuis des dizaines d'années. Mais allons droit au but. Notre désormais célèbre avatar, qui s'improvise politologue de pacotille, tente désespérément de secouer l'unité et l'élan du PDCI-RDA avec donc des fables dignes d'un mauvais feuilleton. Entre accusations fantaisistes de roubisme, nouveau mot à la mode, et pseudo-scandale financier, il s'imagine encore avoir de l'impact. Pourtant, rien ne prend. Son dernier coup, l'affaire donc de la servante démontée en 2 temps 3 mouvements par le journaliste célèbre André Silver Conan, on aurait presque pitié donc de lui. Il faut dire que cet avatar a un problème fondamental. Son mentor et ses alliés ne sont pas donc dans la course actuelle. Alors ils tentent donc de brouiller donc les pistes, de s'allier à ceux qui avancent avec donc des rumeurs et des allégations sans fondement. Avec une stratégie acculée, mais il faut bien qu'il reste pertinent, n'est-ce pas, cher ami? Malheureusement pour lui, ou bien pour eux, sous la présence de M. Tidi Amtiam, le PDCI est prêt à rebâtir l'ordre. Et ce genre de diversion ne trompe plus personne. Alors, que faire face à ce bruit donc de fond incessant? Rien. Imaginons, ignorons-le. Ne partageons plus donc les vidéos ni les posts remplis de haine et de diffamation. Ce serait donc lui accorder une importance qu'il ne mérite pas, ne pas dire qu'il ne mérite plus. Le PDCI n'a pas besoin de se justifier face à des balivernes. Les Ivoiriens voient clair, ils savent qui travaille réellement pour l'avenir meilleur et qui s'accorde donc à des stratégies destructrices. Le PDCI avance, l'avatar s'essouffle, tièrement et subirant. Nous sommes avec Tidi Amtiam jusqu'au bout. Pire. Next. C'était donc Jacques Roger.